Alors Cap Girondin, c'est un stage de football, un stage de foot vacances ouvert aux licenciés âgés entre 7 et 16 ans. C'est un stage de perfectionnement technique. Après, on inclut, outre d'autres valeurs que l'aspect foot, les valeurs de vie en collectivité, notamment parce que pour moi, être éducateur, c'est aussi éduquer en dehors et sur le terrain. Donc on insiste sur l'entraide, l'autonomie de l'enfant et la vie en collectivité les uns par rapport aux autres. Et aussi il y a du lien social qui est fait avec les enfants puisqu'on accueille des gens qui arrivent de partout dans le monde. On a des Américains, des Russes, des Chinois et beaucoup de gens continent africain. Donc voilà, c'est le moyen aussi pour nous d'échanger avec eux et de faire du lien les uns avec les autres. Alors Cap Girondin, ça fonctionne toutes les vacances scolaires, février, Pâques, l'été et la Toussaint. Ça c'est pour les particuliers et après on fait des stages hors période scolaire où on accueille des équipes constituées, notamment des équipes venant du Québec. On a travaillé avec des équipes de Belgique et des gens des Émirats qui viennent en équipe et qui ont fait un stage vraiment d'équipe. Le partenariat Groupama a été activé cette année. Groupama était partenaire des Girondins de Bordeaux auparavant et depuis cette année il y a un partenariat avec les stages Cap Girondin. Ce partenariat est lié également au fait que nous utilisons Groupama par rapport à l'assurance annulation pour l'ensemble de nos stagiaires. Une assurance annulation est proposée donc à nos stagiaires et bien évidemment c'est quelque chose qui est très, très fonctionnel et qui donne une assurance aux familles s'il y a une annulation qui doit être prise en compte. Ce partenariat est prévu pour 3 années. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say.